Donc cette biennale des villes en transition, c'est finalement, plutôt que de se demander où on va, qu'est-ce qu'on fait, ben, que toutes ces petites gouttes, aujourd'hui qui sont toutes seules, réalisent qu'en fait elles sont une vague, que toutes ces petites étoiles où on se dit tiens là il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, ben, elles réalisent qu'en fait c'est une galaxie. Et donc il y a des villes qui viennent de partout dans le monde, il y a des collectifs, ça va des pirates à des entrepreneurs, qui combinent leurs talents, qui travaillent ensemble, qui s'asseyent ensemble pour montrer tout ce qui existe déjà, tout ce qui existe déjà d'extraordinaire dans ces villes en transition, sur différentes thématiques, de l'agriculture urbaine et d'autonomie alimentaire à la mobilité, en passant par la réflexion sur la gouvernance politique, qui combinent tout ça et pour finalement faire lever l'enthousiasme et se donner de la force pour changer d'échelle toutes ces initiatives extraordinaires qui existent déjà. Donc nous avons rendez-vous dans des événements organisés par plein de gens très différents qui débordent finalement chaque institution, chaque collectif pour 4 jours de partage et qui vont de l'expo photo dans la ville parce que le beau c'est important, la mise en valeur de ce qui existe c'est important, à des expériences concrètes d'agriculture urbaine, à des temps de conférences également avec nos parrains et marraines Nicolas Hulot et Laurence Toubiana.